Salut à tous, bienvenue au golfe de l'Isle-Adam dans le département du Val-d'Oise en région parisienne. C'est ici que se déroule la 7e étape du Pay & Play Golf Tour 2018, un concept de tournoi très populaire dans les pays anglo-saxons et organisé en France par le golfeur professionnel Marc-Antoine Farry. Il nous explique pourquoi il a mis en place ce type d'événement. C'est venu d'une discussion entre plusieurs joueurs de l'European Senior Tour, des amis d'au moins 20 ans, 25 ans, qui se plaignaient un petit peu de ne pas avoir des tournois successifs comme on avait l'habitude de le faire sur le tour principal. Et donc, après cette discussion de groupe, moi je leur ai dit, si vous voulez, je peux essayer de vous organiser quelques tournois en France du style pay and play. Donc, on paye, un droit d'entrée est relativement plus important que ce que l'on a l'habitude de faire. Et ce droit d'entrée permet donc de faire une dotation pour le tournoi. Là, j'ai pris une tranche d'âge de 45 ans et plus. Donc justement, pour rester dans ce système d'âge qui tourne autour des seniors, 50 ans. Et on est donc une trentaine, une quarantaine au départ. 40% du champ des joueurs touchera de l'argent. Donc si on est 30, les 12 premiers gagnent de l'argent. Mais en réalité, c'est un petit peu la même chose de ce que l'on fait tous les jours depuis 25 ou 30 ans, où là on est 120, 130, 140 au départ, et la moitié va toucher de l'argent. Les commentaires, ils sont très bons, que ce soit donc les pros qui sont très contents de pouvoir participer à plus d'épreuves, que ce soit donc les amateurs qui jouent le Pro-Am, parce que ce que je fais aussi, c'est que c'est un tournoi qui dure 36 trous, donc 2 jours, mais en préambule, on a un Pro-Am, où là on mélange les pros avec 3 amateurs, et là les retours sont aussi très très bons, et on a de plus en plus d'entreprises, de partenaires qui sont intéressés pour amener des clients. Je connais beaucoup de beaux golfs en France, j'essaye de prendre les plus charismatiques, les plus beaux, les plus difficiles, pour que, une fois de plus, aussi bien les amateurs que les pros passent un bon moment. Arnaud Vandemerche, le directeur du golf de l'Isle-Adam, nous présente ce parcours qui fait partie des plus beaux tracés de l'Ouest parisien. Le parcours de l'Isle-Adam est un golf de 18 trous, de départ blanc de 6188 mètres. Il a été dessiné par Ronald Frim et sa date de création est les années 1900. Ça a commencé en 1992 et il a ouvert exactement en mai 1995. Vous avez 3 parties complètement différentes. Vous avez un premier plateau qui se trouve par ici, sur lequel on se trouve actuellement, qui est un petit peu aménagé à la façon américaine, où on retrouve des plans d'eau, des bunkers assez importants. Et puis après, on monte sur 2 plateaux complètement différents. On va se retrouver davantage pour l'un dans une partie un petit peu links et pour l'autre dans une partie un petit peu plus boisée, très 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 étroite et qui nécessite des coups beaucoup plus précis. Le trou signature, c'est le trou numéro 7, avec un départ en hauteur qui est un par 4 qui n'est pas évident, qui est très court, pas évident, mais très piégeux. Vous avez obstacle d'eau sur la gauche, une pente sur la droite, donc si vous êtes un petit peu à droite, vous retrouvez vite à dégouliner, soit sur le fairway, soit beaucoup plus loin, et puis l'attaque de green est compliquée. Pour répondre à la demande des golfeurs désireux de découvrir des beaux parcours loin de chez eux, ce golf de l'Isle-Adam sera bientôt doté d'un hôtel en cours de construction. L'hôtel de golf de l'Isle-Adam est prévu pour une livraison le 12 décembre 2018 et nous pensons pouvoir ouvrir au public d'ici fin janvier 2019 environ. C'est un hôtel qui a été dessiné par Jean-Michel Villemotte. C'est un 4 étoiles qui sera sous enseigne M Gallery, qui va disposer de 67 chambres, salle de séminaire, sauna, hammam et jacuzzi pour le plus grand plaisir de tous nos membres et puis des clients extérieurs également. Avant les 2 tours de ce Pay & Play de l'Isle-Adam, un Pro-Am est organisé dans une ambiance très conviviale. Ça permet aux pros de jouer, aux pros seniors. C'est pas toujours évident pour eux de trouver des tournois.
Et puis, je pense qu'avec la Faconde de Marc, ses relations, évidemment sa bonne humeur, ça donne à ses journées vraiment beaucoup de bonheur. On a des très bons pros avec beaucoup de métiers et c'est formidable de jouer avec eux. Le concept est bien parti et je souhaite à Marc et à Isabelle beaucoup de succès. Is great. Mark's done a really good job in sort of rounding up the guys and coming across to play. And you know, tournaments this year are bigger than last year, and there's more events. So it's great. It's a really good concept. Merci d'être venu Canal, c'est sympa. Oui, merci Canal. Très sympa. Le ciel est un peu voilé, mais les conditions restent idéales pour cette première journée du Pay and Play de l'Isle-Adam. 24 joueurs, dont 3 Britanniques, 1 Belge et 1 Suisse, participent à cette 7e étape. Marc Farry ne parviendra pas à s'installer sur le podium à l'issue de cette première journée. Un peu moins en réussite au putting par rapport au Pro-Am. Le double vainqueur sur le circuit senior européen rend une carte de 74, plus 2 total. Benjamin Nicolet fait partie des 4 joueurs ayant joué sous le par aujourd'hui. Avec un 68, il s'installe même à la première place du classement. Je m'y attendais pas trop. Maintenant, on a la chance de jouer sur un parcours qui est formidable, qui est entretenu à merveille. Donc je suis super content. C'est vrai que les greens sont compliqués, mais en fait mon score s'est pas tellement bâti sur mon putting là, plutôt sur les deuxièmes coups. J'ai eu la chance d'avoir un bon jeu de fer aujourd'hui, donc une bonne profondeur, donc jamais très très loin des trous, donc ça m'a considérablement aidé. Je trouve que c'est une idée formidable, et je remercie Marc pour ça, parce que ça nous permet de jouer un peu plus souvent. C'est pour nous une bonne opportunité en tout cas de pouvoir un petit peu s'entraîner et pour mon cas me préparer pour le Senior Tour dans 2-3 ans. Nicolet est rejoint en tête par Nicolas Joachimides. Ce véritable passionné d'architecture de parcours partage son temps entre les designs de golf et le golf professionnel. Il rend une carte de 68, moins 4 total. Je suis content d'avoir joué ce beau parcours que je connaissais seulement d'avoir fait un pro-am il y a quelques mois ici. Donc très content de le refaire. On a eu des très bonnes conditions, donc je me suis fait plaisir. C'est vrai que j'ai rentré pas mal de bons putts sur les greens qui tenaient très bien la ligne. Et ils étaient assez rapides, donc c'était assez amusant et un challenge quand même, parce qu'on pouvait avoir des putts difficiles avec beaucoup de pentes. Donc mon impression... Forcément, c'était une journée agréable grâce à des entretiens vraiment irréprochables. Pour moi c'est génial parce que j'avais pas l'occasion de jouer des tournois en France. Et là, tout d'un coup, je peux faire 6 tournois dans l'année. C'est vraiment super pour moi. Ça me permet de rester au contact du jeu. C'est une bonne préparation pour d'autres choses, pour ceux qui veulent jouer, qui veulent rester dans le jeu, quoi, tout simplement. C'est hyper important d'avoir des tournois en France. On en avait beaucoup avant, on en a beaucoup moins maintenant. Donc grâce à Marc, là, on peut avoir des tournois supplémentaires. Je suis content, c'est bien. Les 2 autres golfeurs ayant joué sous le par aujourd'hui sont l'Écossais Bill Longmuir avec une carte de 70
et le Français Jean-Pierre Salat qui joue 71-1. Le dessinateur Romain Lecoq est présent lors de chaque étape du Bay & Play Golf Tour pour croquer ses moments golfiques. Cet excellent joueur amateur trouve ce concept de tournoi très intéressant. Le PN Play, c'est super parce que ça permet de... Il y a une ambiance qui est géniale ici. Je trouve sur ces tournois, tout le monde se connaît. Effectivement, de jouer avec des pros, ça motive. Ça fait monter le niveau. Moi, je joue mieux quand je joue avec eux, évidemment, parce que tu es dans cette ambiance professionnelle, en fait. Et ça se sent tout de suite. Et en plus, ça permet, pour ceux qui veulent en vivre, de gagner de l'argent. Si tu joues bien, il y a quand même une belle loterie à gagner. Moi, je ne participe pas à ça en tant qu'amateur, je n'ai pas d'argent, mais au moins je joue au golf sur des très beaux parcours, comme à l'Isle-Adam, et le niveau de jeu est super. Donc, moi, je conseille, c'est génial. À niveau senior, c'est top. La météo est toujours clémente pour ce deuxième tour du Pay & Play de l'Isle-Adam, mais le vent se renforce avec des rafales à 30 km/h. Marc Farry ne bat pas le parcours aujourd'hui, il rend une carte de 76 et doit se contenter de la 9e place du classement. L'anglais Andrew Marshall joue 69 après un 74 la veille, une performance qui lui permet de monter sur la 3e marche du podium. Le titre va se jouer entre Benjamin Nicolet et Nicolas Joachimides, tous deux présents en dernière partie. Nicolet égare son drive au 1 et concède un double bogey. Joachimides en profite pour prendre le large grâce notamment à cette ficelle pour birdie dès le trou numéro 1. Malgré ce bon birdie au 6, Benjamin Nicolet ne pourra pas revenir. Il joue 74 mais conserve tout de même la 2e place. Nicolas Joachimides a encore été très solide aujourd'hui. Il joue moins 3 et remporte donc ce Pay & Play de l'Isle-Adam avec 5 coups d'avance sur son dauphin. Hier j'avais fait moins 4 premier tour, là aujourd'hui moins 3. Avec très peu de fautes et quelques birdies par-ci par-là. Content de mon jeu, un jeu régulier qui paye par une victoire, ouais, c'était bien. Pour moi, ces tournois sont très bien parce que moi, j'ai une activité d'architecture de golf. Donc, depuis une dizaine d'années, je suis dans l'architecture de golf. Et de temps en temps, j'ai du temps libre. Et ces tournois-là me permettent de jouer, de rester dans la compétition, de mesurer aussi aux joueurs du Senior Tour. Parce que pourquoi pas rejoindre les Senior Tour, tenter de rejoindre les Senior Tour dans 5 ans. C'est un bon équilibre, je trouve, pour moi. Ce que j'ai envie de faire, continuer l'architecture et le jeu. Arnaud Van de Merche et Marc Farry remettent le trophée à Nicolas Joachimides, vainqueur de sa 3e étape sur le Pay & Play Golf Tour cette saison. Marc Farry dresse le bilan de cette très belle épreuve. Les retours que j'ai là de mes collègues, tous ces professionnels qui sont venus, que ce soit des Français ou que ce soit des étrangers, ils ont tous été agréablement surpris par la qualité de ce golf, la vitesse des greens une fois de plus, l'entretien général, la qualité de l'accueil, la restauration, bref, le complexe en lui-même a fait que ces joueurs qui ne connaissaient pas ce parcours, je sais qu'ils reviendront avec plaisir l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce Pay & Play de l'Isle-Adam. Marc Farry et sa femme Isabelle vous donnent désormais rendez-vous en 2019 pour une autre édition de ce Pay & Play Golf Tour, avec certainement encore plus de tournois. A bientôt, salut.